Keep it up, one more minute. Keep it up, you're so great, standing. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo motivation ménage du soir. Alors, on va commencer par déballer l'aspirateur que j'ai reçu de la marque Tineco. Je sais que vous êtes nombreux souvent à me poser la question. Vous aimez bien cette marque-là, Tineco. Vous me posez souvent la question en message privé sur les différents modèles qu'ils ont. Alors, ce modèle ici, c'est le Floor One S5. C'est un aspirateur balai intelligent 2-in-1. On peut nettoyer la saleté sèche ou humide sur un sol dur. Alors, l'aspirateur vient avec un assistant vocal intégré. Vous avez également l'application Tineco dans laquelle vous pouvez voir la performance de nettoyage. Vous pouvez avoir des rappels d'entretien, le rapport de nettoyage. Donc, ça, vous contrôlez avec l'application Tineco. Vous avez aussi le contrôle vocal avec Alexa ou Google si vous l'avez bien sûr à la maison. Alors là, vous voyez, j'ai terminé de déballer. C'est pas compliqué non plus à monter. Alors l'aspirateur vient avec plusieurs accessoires. Vous allez voir déjà, il y a l'aspirateur bien sûr. Il y a une station de recharge et vous avez des accessoires qui vont sur le côté. En fait, c'est pour poser votre brosse et puis un filtre, parce que l'aspirateur vient avec deux filtres, ce qui est très bien. Donc s'il y a un filtre qui n'est plus bon, vous avez un deuxième filtre. On a le câble d'alimentation qui se branche directement sur la station de recharge. Donc vous avez aussi deux rouleaux. L'aspirateur vient déjà avec un rouleau déjà installé. En fait, vous avez le deuxième en réserve. Vous avez un réservoir d'eau propre qui a une très grande capacité. Ça va permettre aussi de bien nettoyer une grande surface. Vous avez la solution de nettoyage et bien sûr un manuel d'instruction. Voilà. Et juste en avant, il y a le réservoir d'eau sale. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Quand je vais nettoyer la maison, je vous montrerai le réservoir d'eau propre, d'eau sale. Alors, quand j'ai vu la photo de l'aspirateur sur Amazon, j'avais l'impression qu'il était costaud là. Mais pourtant non, il est vraiment très léger, facile à manier et tout. Vraiment, ça prend même pas beaucoup d'espace non plus en termes de rangement, vous voyez. Ça fonctionne très bien, moi je suis entièrement satisfaite. Vous avez également un écran LED là qui va passer du rouge au bleu, donc le rouge quand le plancher est sale et le bleu quand votre sol est propre. Alors on se retrouve dans ma cuisine, j'ai mes microfibres à organiser, donc je vais les mettre dans mon rangement en acrylique. Alors cette fois-ci j'ai opté pour des côtes de couleurs, donc les roses ça sera pour nettoyer la cuisine et le jaune ça sera pour nettoyer les meubles du salon, salle à manger et tout. Donc je les mets là et ensuite je crois que j'ai les bleus et puis les verts. Alors les bleus ça serait pour les sanitaires et le vert je ne sais pas encore, donc voilà, je vais organiser ça par code de couleur, donc une couleur pour une tâche. Alors ça sera plus facile aussi pour nous de gérer nos microfibres. Donc on organise tout ça et on se retrouve tout à l'heure, je vous laisse en musique.
Alors, je vais vous montrer un sac à main que j'ai reçu de la compagnie Teddy Black. Je vous dis que les sacs Teddy Black, c'est au top. Vraiment, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux. Et vraiment, leur sac, c'est. Tu as vraiment l'embarras du choix, même de choisir. Vraiment, on me dit de choisir un sac, je ne sais pas quoi choisir. Alors, moi, j'ai choisi ce petit modèle-là. C'est un tout petit sac que je trouvais très mignon, vraiment facile à porter. Et c'est un sac que tu mets pour aller au resto, pour une petite sortie comme ça. Un vendredi ou un week-end comme ça, vraiment trop trop mignon. J'ai pris la couleur crème comme vous voyez là, c'est vraiment trop beau. Alors je vous montre l'intérieur, vraiment elle est vraiment petite là. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace, vous mettez juste ce qu'il faut. Comme je vous dis, c'est un sac que vous mettez pas tous les jours, c'est un sac vraiment que vous portez quand vous avez des sorties classe là. Et vraiment, c'est trop cute, je vous dis. Quand vous êtes bien habillé, vous avez ce sac là. Et ça se met avec tout. En fait, j'ai choisi une couleur crème pâle. Alors, je pourrais agencer avec n'importe quelle autre couleur, peu importe la couleur que j'aimais. Ça va vraiment très bien le faire. Vraiment, je vous montre de près encore. Moi, je suis vraiment in love. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, sur le site de Teddy Black, ils offrent jusqu'à 75% de réduction, dépendamment des modèles, bien sûr. Sur le modèle Kim, vous avez 45% de réduction sur les sites, en plus de mon code promo qui va vous donner 30 dollars de rabais. Alors, je vais vous laisser le code sur votre écran. Et toutes les informations, bien sûr, seront en barre d'infos, que ce soit les liens. Vous pouvez aussi le suivre sur Instagram, toujours être au courant des nouveautés qui sortent. Alors, vraiment, moi, je suis très contente de mon choix. C'est un sac que je vais mettre vraiment en été, vraiment en toute saison finalement. Donc, pour une bonne sortie, comme je vous disais, une sortie classe où tu es bien habillé et tu as ton joli sac, franchement, il n'y a pas mieux. Alors, on retourne dans ma cuisine. J'ai un tiroir à épices à organiser. C'était vraiment le gros bazar. Là, j'ai décidé vraiment d'enlever tout ce qui se trouvait là, les flacons. À épices qui étaient vides, donc je vais les laver vraiment à l'eau et les remplir au fait avec les épices que j'ai. Et j'ai d'autres flacons qui contiennent encore des épices. Ça, je vais juste nettoyer l'extérieur du flacon. Donc ensuite, je vais enlever tous mes organisateurs là d'épices. D'ailleurs, ces organisateurs là viennent de chez IKEA si jamais quelqu'un est intéressé. Donc c'est là que j'avais pris ces organisateurs là. Donc je vais les enlever, je vais tout nettoyer vraiment à l'eau, puis je vais remettre tout en place et je vais remplir mes flacons d'épices. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. Oh baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt. Là, j'ai sorti mes organisateurs que je vais nettoyer de suite. Je vais également nettoyer les flacons d'épices qui sont vides. J'ai d'autres flacons vides que j'avais déjà nettoyés, donc ça, je n'y touche pas. Et un peu plus tard, je vais essuyer les flacons qui contiennent encore des épices. D'ailleurs, dites-moi si vous le sentez dans ma voix là. Franchement, je suis fatiguée, je suis claquée. Alors, avec les enfants à la maison, les vacances, le travail, le retour des enfants à l'école, donc il y a toute la préparation à faire, les courses à faire. On est presque à la fin, on a presque terminé, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Franchement, moi je suis au bout de ma vie. Donc, dites-moi d'ailleurs, vous de votre côté, avez-vous fini les préparatifs pour la rentrée scolaire? Donc, nous, il nous reste deux, trois petits trucs à prendre et ça va être tout. J'ai vraiment hâte d'en finir parce que là, franchement, on court vraiment de partout.
Alors, je vais nettoyer maintenant les flacons à épices. Là, je vais utiliser une brosse en silicone, comme vous voyez là. Donc, ça va me permettre de bien nettoyer l'intérieur des flacons. Alors, c'est bien pratique aussi. Avec ça aussi, je nettoie les gourdes d'eau pour les enfants, tout ce qui est bouteilles. Vraiment, ça nettoie très, très bien. Nettoyer le tiroir à épices, franchement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça n'a pas l'air, mais vraiment beaucoup de temps. Parce que là, il y a les flacons à nettoyer. En plus, moi, avec le nombre d'épices que j'ai, franchement, ça prend trop de temps. Il faut nettoyer le flacon, le petit tamis qui se trouve à l'intérieur. Il faut aussi nettoyer le couvercle. Donc, je ne vous dis même pas. Ça fait un petit moment que je devais le faire. À chaque fois, j'ai repoussé parce que ça me tentait vraiment pas de le faire. Là, je me suis dit non, là, ça suffit. Il faut vraiment t'en occuper. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu de force. Je me suis dit, ben, let's go, on va le faire. Je suis capable. Enfin, j'ai terminé de tout nettoyer, alors je laisse dégouliner sur tous les flacons d'épices. Là, il faut absolument que ça soit bien sec avant de remplir, sinon c'est la catastrophe, ça va vraiment coller de partout. Ça, c'est important vraiment qu'il soit très, très sec. Alors, je vais passer au niveau de plan de travail, je vais nettoyer aussi ma plaque de cuisson. Donc voilà, ensuite, je compte nettoyer aussi le plancher au niveau du salon et de la salle à manger, la cuisine également, donc avec mon aspirateur Tineco bien sûr. Alors, ce ménage-là a été fait vendredi. Alors moi, comme je vous dis souvent, j'aime bien faire mon ménage vendredi, comme ça le week-end je suis tranquille. Le week-end, vraiment, je préfère ne pas faire le ménage, c'est consacré vraiment à la famille, les sorties avec les enfants. Donc comme ça, je me libère des tâches ménagères. Le week-end, on est vraiment tranquille. Alors là, j'ai rempli le réservoir d'eau propre, donc vous voyez, c'est très grande capacité. Alors, je vais mettre aussi la solution nettoyante qui nettoie très bien, qui déloge très bien les taches aussi. Donc, on a juste besoin de petits bouchons là, pas plus, c'est amplement suffisant. Et je vais aller l'installer sur l'aspirateur, donc voilà, comme ceci. Très facile aussi à installer, à enlever. Et voilà, on va passer au ménage. Alors, comme je vous ai mentionné plus tôt, c'est un aspirateur balai 2 en 1, donc ça me fait la poussière, ça nettoie également, ça passe la serpillière.
Donc, le ménage se fait très rapidement. Alors, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe soit le balai, soit l'aspirateur, et ensuite, on va passer la serpillière. On doit attendre que le sol sèche. Et vraiment, ça prend beaucoup de temps, tout ce processus-là. Avec cet aspirateur, vous gagnez énormément de temps. Je crois que ça m'a pris que 10 minutes pour vraiment tout nettoyer. Et le sol aussi sèche très rapidement, contrairement aux serpillières traditionnelles. L'aspirateur est facile à manier, il n'est pas lourd, vous voyez, c'est vraiment très léger. Et vu qu'il a des roues autopropulsées, donc l'aspirateur avance tout seul, vous n'avez pas vraiment besoin de l'avancer, ça avance tout seul en fait. Et le ménage se fait très facilement, c'est vraiment pratique. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va ajuster automatiquement l'aspiration, le débit d'eau ou la vitesse du rouleau. Donc dès qu'il détecte la saleté, il va automatiquement ajuster le tout. Donc vous allez avoir un peu plus d'eau ou bien le rouleau qui va rouler plus rapidement. Donc ça c'est très bien. Donc c'est vraiment un aspirateur intelligent qui va détecter vraiment les tâches le plus coriaces. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. Alors, j'ai pratiquement terminé de nettoyer le sol. Donc, j'ai fait la salle à manger, ça c'est fait. J'ai fait le salon. Il va me rester à faire la cuisine. Donc, voilà. Entre-temps, j'avais aussi époussetté puis essuyé tous les meubles, mais je n'ai pas inclus ça dans la vidéo. J'ai fait ça vraiment hors caméra. Du coup, voilà. Donc, ça c'est très bien. Voilà, vous pouvez voir comment mon plancher est bien propre, ça brille. Vous voyez la brillance du plancher. Puis, la solution nettoyante aussi, très efficace, comme je vous disais. On n'a pas besoin de mettre beaucoup, un petit bouchon, c'est amplement suffisant et ça fait le job. Alors, vous voyez, ça nettoie très bien, que ce soit les planchers en bois ou bien la céramique. Donc là, je suis rendue au niveau de ma cuisine. Donc, je nettoie la céramique, ça passe très bien aussi. Ça déloge bien les tâches. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu, comment on appelle ça déjà, la moutarde. Donc, je vais mettre ça sur le plancher et vous allez voir comment l'aspirateur, vraiment, en un seul passage, va tout me ramasser. Alors, vraiment tout. Donc ça c'est très très bien, je vous dis c'est très efficace franchement. Si vous cherchez un bon aspirateur 2 en 1, je vous recommande ça à 1000%.
Alors, j'ai terminé le nettoyage du sol. Je vais vous montrer vraiment les réservoirs d'eau sale. Bien sûr, il y a la moutarde à l'intérieur, mais c'était très sale. Je vais vous montrer aussi la passoire que je vais enlever. En fait, c'est une passoire qui va retenir tout ce qui est cheveux, poils d'animaux. Vous voyez comment c'est vraiment dégueulasse là. Donc, je vais jeter tout ça dans la toilette. Et quand vous avez un aspirateur 2 en 1 comme ceci, alors c'est très important de nettoyer que ça soit le bac d'eau sale, le filtre. Je vais nettoyer le rouleau tout à l'heure. Vous allez voir comment je vais le faire. Et je vais vous afficher le code rabais sur votre écran si jamais vous êtes intéressé. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoient des messages concernant les Tineco. Donc, vous aurez 20 euros de réduction pour ceux qui sont en France et 30 dollars de réduction pour les Canadiens. En plus, sur Amazon, que ce soit Amazon France ou Canada, il y a un gros rabais sur les Tineco S5. Donc, pour les Canadiens, je pense que c'est 160 dollars. Et en France, c'est 69 euros si je ne me trompe pas. Et avant que j'oublie aussi, le rouleau, c'est pareil. Une fois que c'est bien nettoyé, il faut absolument l'enlever et les laisser sécher à l'air libre. Ça, c'est important. Sinon, il y aura des odeurs vraiment désagréables. Là, je vais activer la fonction main libre auto-nettoyante du rouleau. Donc, le rouleau va se nettoyer automatiquement. Ça, c'est super pratique. Self-cleaning cycle complete. Please clean dirty water tank. Ensuite, je vais essuyer tout ce que j'avais nettoyé. Je vais commencer par les organisateurs. Je vais bien les essuyer. Je vais les remettre en place. Ensuite, je vais vraiment prendre le temps pour bien essuyer les flacons d'épices. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est très important de bien essuyer. Sinon, quand vous allez mettre les épices, ça va vraiment coller de partout. Ça ne sera vraiment pas bien. Alors là, j'ai installé mes organisateurs. Je vais commencer par essuyer les flacons qui contiennent déjà des épices. Je vais les organiser dans les tiroirs. Et dites-moi en commentaire comment vous organisez vos épices. Est-ce que c'est par utilité, c'est par couleur? Dites-moi tout en commentaire. Ce que j'ai fait, c'est que les épices que j'utilise vraiment au quotidien, presque tout le temps, je vais le mettre au premier niveau. Ensuite, je vais organiser tous les épices fines herbes. Là, je vais les mettre ensemble. Donc, visuellement, quand j'ouvre, je sais que les fines herbes sont là. Et mes épices, vraiment, que j'utilise souvent, c'est au premier niveau. Donc, c'est pratique pour moi, comme ça, quand je suis en cuisine. Et les épices que j'utilise le moins souvent, je vais les mettre au fond du tiroir. C'est plus des épices quand je vais faire une recette spécifique. Donc, c'est pas des épices que je vais utiliser vraiment tout le temps. Donc ça va au fond du tiroir. Alors, pour essuyer mes flacons d'épices, j'ai utilisé un essuie-tout. J'ai mis aussi du vinaigre dessus. Donc, c'est important de bien nettoyer avec du vinaigre. Parce que quand on cuisine, ça arrive qu'on ait de la graisse sur les mains, de l'huile. Alors, c'est bien important d'utiliser le vinaigre. Comme ça va bien déloger déjà les taches. Ça va désodoriser et ça va aussi désinfecter les flacons. Donc, ça, c'est bien pratique. Now I see you cut her again. It could rain on.
Là, j'ai organisé mes épices dans les tiroirs. J'ai bien essuyé les flacons que j'avais nettoyés tout à l'heure. Alors là, je vais commencer maintenant à organiser tous mes épices dans les flacons. Donc, il y a encore quelques épices que je dois racheter et remplir les flacons. Donc, pour l'instant, je vais remplir avec ce que j'ai. Et voilà, c'est parti. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. J'ai finalement terminé d'organiser mes épices dans les flacons. Là, je vais aller les installer dans mon tiroir. Vraiment, ça prend beaucoup de temps, je sais. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour motiver l'une d'entre vous qui a un tiroir, un placard à épices à organiser. Et voilà, cette vidéo est pour vous. Donc voilà, moi je suis très contente du résultat, malgré que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, vraiment. Donc je suis contente que mon tiroir à épices soit bien propre et bien présentable. Alors moi j'ai terminé mon ménage et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus, vos commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi sur ma chaîne et clique sur la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. It's cold outside.